Alors ici, on a un bâtiment très très efficient qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et par exemple, ici, cette banque souhaite utiliser notre produit Smart Contract pour aller revendre de l'énergie en très grande proximité ici, au bout du fil quasiment. Et pour ceci, lorsqu'un véhicule se présente face à la borne, eh bien, l'ensemble des opérations sont automatisées. Donc, on est en présence d'un très beau soleil en Normandie. L'utilisateur branche la prise. Moi, je le simule en appuyant sur ce bouton-là qui va véritablement ici appeler le mécanisme de charge. Le tout est bien tracé dans une blockchain. Ça permet de gérer la facturation, notamment ici le début de la charge en cours qui a été interceptée par le serveur. Donc là, les panneaux délivrent. Tout l'intérêt ici, c'est de créer de l'innovation, de créer des opportunités en local pour des partenaires PME de venir revaloriser finalement leur outil de production d'énergie. La charge est terminée, l'utilisateur se déconnecte. J'appuie ici, les Lego ne sont pas encore totalement autonomes là-dessus. Le système de blockchain a intercepté l'événement. Ça va arriver dans quelques secondes, la charge est arrêtée, l'ensemble de la transaction est bien identifié, tel jour, telle heure, tant de kilowatts a été transféré à la batterie de la voiture, donc on va pouvoir réaliser la facturation, l'utilisateur peut repartir. Et donc là, ici, on voit bien tout l'intérêt d'arriver à automatiser très facilement ce mécanisme, de l'ouvrir éventuellement à des partenaires. Pendant que la recharge était active, peut-être qu'un partenaire du monde de l'assurance va pouvoir proposer de réassurer le véhicule pendant 100 km. Ça peut devenir un point de livraison, par exemple, pour des colis que l'utilisateur souhaiterait recevoir à ce niveau-là. Donc on voit bien l'avantage des smart contracts, c'est de venir réaliser de l'automatisation à travers des objets et des services.